Merde, si j'oublie encore le micro entre mes seins, ça va pas le faire. Salut les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes pires commentaires. Tu sais, les commentaires odieux, méchants, dégueulasses, vulgaires. C'est genre la hantise de toute personne sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, puis comme vous le savez déjà, hein, je déroge pas à la règle, évidemment. Et j'ai quelques petites nouvelles pépites à vous partager. Alors, j'ai préparé le thé quand même parce qu'on va en avoir besoin dans cette vidéo, hein. Mais qu'on se le dise, hein, heureusement que les haters sont là parce qu'au moins ça a le mérite de nous faire travailler les abdos parce que sinon, genre pour le coup, on les travaillerait vraiment jamais. Donc tu sais, pour moi, c'est un peu comme genre, ben voilà, les abeilles, c'est une espèce mais qui te fait chier sa race. Mais ils ont quand même une utilité, on peut pas les tuer. Les haters, c'est un peu pareil, genre ils font chier de ouf, mais malheureusement on peut rien leur faire. Bon alors comme j'ai pas envie de vous choquer directement, on va y aller crescendo dans le level. Doucement mais sûrement, hein, comme disent les vieilles meufs aigries. Donc on va déjà commencer par les commentaires chelous, tu sais, genre tu sais pas si la personne derrière en fait elle t'aime bien ou elle t'aime pas. Tu fais trop l'aigle. Alors j'avoue je sais pas du tout. Alors aigle royal sur Google documentaire. Alors le c'est le vent, hein, je vous explique. Tu as un problème sérieux, tu exposes ta vie et tes émotions sur un réseau, bravo. Bonjour David, bienvenue dans le monde parallèle des réseaux sociaux. Un canard avec les sourcils de Rock Lee. Au risque de paraître inculte, on va taper également sur YouTube Rock Lee. Mais il a des très beaux sourcils ce garçon pour une fois. Mais alors attendez, on va voir ce que ça donne quand même, ça vaut le détour. La vérité, je suis dégoûtée les filles, genre je m'étais fait un pur maquillage, je suis en train de niquer mes sourcils. Le canard c'est un gros museau. Arrête un peu de faire tout le temps, tu me fais penser à la bibliothécaire dégueu et cinglée du collège. Je te remercie pour cette charmante comparaison, hein, casse dédiée à toutes les bibliothécaires. Peace. Non, désolée, je ne la crois pas, je crois plutôt qu'elle s'est injectée de la graisse dans les fessiers, comme certains candidats de la télé-réalité, sinon pourquoi les autres femmes sportives comme Valérie n'ont pas de grosses masses fessiers. Alors chouchou, la graisse dont tu parles, ça s'appelle du muscle, et ça s'achète avec des squats, des fentes et du soulevé de terre. Mais bon, on en reparlera quand on aura mis un pied dans la salle de muscu. Hein. Petit commentaire sur une de mes vidéos avec Thibaut, ça se voit, ils ont rien dans le cerveau. La meuf, une vraie prostituée et le gars, un ancien branleur frustré. T'es belle sur tes premières vidéos, je préfère. T'es toute grosse, toute mimi. Bref, au top ta chaîne, continue comme ça. Ouah, la tête de manouche à 2 minutes. Ha ha ha, oh putain. Ah non, mais je vous ai dit, les gens, moi j'ai toujours assumé mon côté manouche. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Hein. La coupe ananas à la salle de sport, mais c'est la base quoi. Praticité à l'état pur. Je vais mettre tout le monde d'accord. Les filles veulent un beau fessier pour pouvoir coucher avec des mecs bien gaulés. Donc à un moment donné, faut arrêter de faire genre oui, ça me gêne qu'on regarde mon cul quand je squatte, blablabla. Donc les mecs qui viennent t'aider sont soit là pour t'aider, mais aussi pour mater de belles créatures. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est donc ça, on a enfin l'explication. Tout c'est clair. Faire un tatouage pour pas qu'il se voit, inutile. Continue à montrer ton cul sur Insta, sûr, va aller loin, toi. Toi, apprendre français, parler. Hein. Mais t'as un vieux boule tout plat, y a rien à grailler dessus, qu'est-ce que tu racontes? On t'a jamais expliqué que la qualité vaut mieux que la quantité, la qualité. Qualité. Bon, alors maintenant qu'on est un peu chaud, on va quand même passer aux choses un peu plus sérieuses. C'est ceux qui sont là pour te faire chier, mais genre ouvertement, pour te faire caguer. Tu es conne. Quel comble quand on s'appelle Nicolas Teubé. Quand même, c'est un peu dommage. Tu n'as même pas de cul, elle est moche. Ah ben, conne moche et sans cul. Quel beau CV. Non mais la vérité, c'est quoi votre problème en fait les gens? Genre c'est comme si c'est ton jour de cheat, tu vas au restaurant et tu demandes des endives. Alors non, pas les endives avec la béchamel, le fromage et tout, non non. Les endives braisées dégueulasses. Et après genre t'insultes le serveur. Non mais mec, on t'a pas obligé à prendre des endives au restaurant. Ben YouTube c'est pareil, genre t'es pas obligé de venir sur ma chaîne. Alors si t'aimes pas, tu prends, tu te casses, tu cliques sur la croix rouge et tu fais chier personne. Merci. Grosse salope va te suicider comme Karen Lancôme. Bon alors j'ignorais totalement qui était cette jeune femme, j'ai dû aller me renseigner sur Google, voilà. Merci pour la comparaison, paix à son âme. YouTube c'est vraiment devenu le repère de toutes les grosses putes d'arrivistes qui savent rien faire à part... Putain j'arrive même pas à lire ce genre de commentaires. À part faire les salopes sur des écrans multimédia. Méga triple pute, vivement que vous vous fassiez écraser par un train. Pourquoi tant de haine frère? Pourquoi tant de haine? Ah, alors celui-là il est beau. Une fit girl du YouTube français qui n'a pas de programme de musculation ni de programme alimentaire et en plus vegan. Bah putain, y a rien de fit là-dedans, je vois qu'une pute moi. Mais non, ça s'appelle juste quelqu'un de sympa qui a la gentillesse et la générosité de proposer du contenu gratuit à ses followers et qui en plus se soucie de toute forme de vie, hein, autant animale voilà, qu'humaine. Si, ça existe encore de nos jours, la preuve, oui. Tu dégoûtes, quand je te vois j'ai l'impression de voir une cartouche de silicone qui parle. Ah non mais toi... Zen, zen, si, si, zen.
Bon alors maintenant je vous sens chaud là pour écouter ce qui va suivre parce que alors je vous préviens, il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a du très très lourd. Non, parce que ce genre de commentaires fleurit de plus en plus quand même sur internet. Hein. Alors n'importe quel youtubeur un petit peu expérimenté vous dira que forcément ça lui glisse dessus. Mais quelque part c'est un peu ce qui m'inquiète. Je me dis voilà, on est quand même dans une ère où la vulgarité est tellement banalisée que genre ça ne nous touche même plus en fait. Je te baisse car t'es bonne. Ouh. Baissons-nous alors. Ouh. Soyez pas choqués de la limite d'âge quand on expose sa chatte comme ça, c'est normal. Ah non, parce que si montrer son tatouage sur la hanche en maillot de bain, parce que forcément, vu l'emplacement, c'est considéré comme de la nudité ou de la sexualité, mec ne va jamais à la plage ou à la piscine municipale. Ah non, parce qu'il paraît qu'il se tourne des films de cul là-bas, tu vas être choqué. Hein. Ah, salope. Gigolo. Micro-salope. Micro-gigolo. Tu sais, c'est un peu genre comme consonne, voyelle. Voilà. Quelle bouche de sucette. Non, mais alors à croire que ces mecs-là n'ont jamais eu une fellation dans leur vie pour être autant fustés. Une meuf qui est sortie avec plus de 10 gars, c'est juste une grosse pute. Alors rappelons le contexte. Hein, c'était une vidéo où on me demandait combien de petits copains j'avais eu dans toute ma vie. Donc ça commence genre au collège quand t'as juste fait bisous bisous. Hein. Sale pute, je te pénètre à forte allure. Alors mon petit, va falloir se calmer, on n'est pas dans Star Wars là. Non. Grosse pute, voilà la plus grosse pute de France. Bon alors là les mecs vous commencez à radoter un peu quand même hein. On a compris je pense, il serait peut-être temps de trouver autre chose non, parce que ça commence vraiment à devenir lassant au bout d'un moment hein. Non, parce que si vous continuez comme ça je vais plus pouvoir faire de vidéos sur les méchants commentaires moi hein. Vous m'écrivez tout le temps la même chose. Un peu d'imagination quoi bordel merde, c'est pas compliqué d'être vulgaire à la fin putain. Non, mais alors attendez on va voir ce que ça donne quand même, ça vaut le détour. La vérité je suis dégoûtée les filles, genre je m'étais fait un pur maquillage, je suis en train de niquer mes sourcils. Le canard c'est un gros museau. Bon ça c'est pas vrai, moi le canard c'est le pigeon en fait.